des tests de plus en plus positifs et des passages aux urgences en hausse pour des suspicions de Covid-19. 920 la semaine dernière contre 702 la semaine précédente. Une augmentation provoquée par la propagation d'un nouveau variant, Eris, avec une mutation lui permettant d'échapper plus facilement aux anticorps. À cela s'ajoute le contexte des vacances d'été avec son lot de festivals et de moments de retrouvailles où les gestes barrières sont peu respectés. Parmi les régions les plus concernées, les Pays de la Loire, la Normandie et la Bourgogne-Franche-Comté. Mais pour le moment, la situation n'alarme pas les autorités. L'impact sur les services de réanimation notamment n'est pas notable à ce stade. Et le variant Eris n'est pas considéré par l'OMS comme étant préoccupant.